Anton 2, Ok. cockpit. Ok. Pour les Hampton, démarrage moteur. Chauffe moteur, 1000 tours minute. Ok, leader, on lâche pas la gauche. Reçu. Anton 2, roulage par la gauche. Victor. Ok leader, je m'arrête au seuil de piste, il y a des collègues en train de décoller. Reçu.
Ok, piste dégagée. Je monte sur la piste. Qui est leader en place. Anton 2 en place. Victor, alors on va décoller avec deux grandes volets, parce qu'on est particulièrement lourd. On va décoller sur les freins. On vérifie si tout est bon pour toi, niveau radiateur et compagnie, et puis... Radiateur ouvert. Volet à deux crans. Je sur les freins. 2000 tours. Et leader Luz. Leader en l'air, train entré, volet rentré. Anton 2 en l'air, train rentré, volet rentré. Action. On monte légèrement, léger virage droite. Ok, en train de former. Ah, Victor, je pousse à un point de Hata. Par ailleurs, je règle dès maintenant mes bombes sur du VZ long. Reçu. En faire autant. C'est fait.
Bombe armée. Nickel. Bon, pour info, on va naviguer à l'ouest, donc 280, donc direction la base ennemie. On arrivera donc sur l'aérodrome ennemi, on essaiera de repérer les bombardiers, on présume qu'ils sont au nord, d'après les photographies, au nord de l'aérodrome. Une fois les bombardiers ennemis trouvés, on leur balance 250, et puis bah, ma foi, on regardera ce qu'on peut faire, si on peut attaquer l'objectif secondaire, donc, et le dépôt de carburant. Si c'est possible, en fait, si c'est pas possible, la dernière fois, on se rampe tranquillement, sachant que sur le retour, on a chasse libre. Donc, on va voir ce qu'on fera. Sachant qu'à l'aller, le but est de ne pas se faire avoir. On est lourd, on a des grosses bombes, ça serait dommage de se faire choper avant qu'on les ait balancées. Bien reçu, je reste vigilant. Autre info en face, on sait qu'on aura forcément les avions belges habituels, c'est-à-dire beaucoup de gladiators probablement, enfin beaucoup. Ils ont du gladiator en majorité. Il y a une petite probabilité qu'on tombe sur des hurricanes. Mais ils en ont normalement en très petite quantité d'après nos renseignements. Et par ailleurs, ils peuvent avoir du Fire Battle et du. Et c'est à peu près tout d'ailleurs. Sachant que le Fire Battle, c'est pas un danger pour nous, c'est. Pas l'avion du siècle, dirais-je. D'accord. Ok, on a une ville à nos 1h où il y a l'air d'avoir du combat. J'ai vu des traçons de partir. Ouais, affirmatif. Où? Pardon? À nos 1h. Et probablement la ville de Triarmont, semble-t-il. C'est là où nos alliés cherchent à faire. Tirlemont, pardon. C'est là où nos alliés cherchent à faire avancer un peu le front. Ils doivent se heurter à quelques difficultés. On va s'en écarter légèrement à gauche pour éviter tout tir venant d'une éventuelle DCA. D'accord, reçu. Voilà, on devrait pas être mal.
Apparemment, ça a l'air de cogner dur. Qui en sortira de la montée à 4000 mètres. Reçu. Ok, attention, ennemi à 1h. 4 appareils, je dirais des gladiateurs. Régime de combat. On vire à gauche et on grimpe. Ok, visuel sur les contacts. Ça va compliquer un petit peu la mission. Il va falloir qu'on se rende directement sur l'aérodrome et on aura le droit qu'il y ait une passe. Reçu, je ne louperai pas la cible. Et l'aérodrome ennemi est à 1h. On va faire déjà une passe dans ce sens en restant en altitude pour essayer de repérer les bombardiers. Dès qu'on les voit, on descend dans le sens retour, on bombarde, on dégage et on voit ce qu'on peut faire contre les glades. Au moment, ils sont encore à bonne distance. Ok, visu sur la piste. Alors,
apparemment sur la piste nord, sur les photos, affirmatif, là où il y en a un paquet. Plusieurs groupes de trois bombardiers rangés le long des pistes, dans des petits box. Piste nord. Ok, je vais faire un droite-gauche, juste pour vérifier où on en est avec les autres. Je les ai plus en vue, je pense qu'on a dû les larguer, je réduis de nouveau 1.2. Reçu. On va se permettre le luxe de faire un tour à droite. Ok, je vais faire ma phase attaque, tu vas rester en tournant autour de l'aérodrome. D'accord. Ok, c'est parti pour leader. Ils ont de la DCA? Ah, probablement, pour le moment ça ne tire pas. Okay, reste attentif, couvre-moi bien. Regarde bien ce qui se passe. Ok, je me fais attaquer par la seconde base. Ils ont de la DCA légère, rien de dangereux. C'est parti. Attention, la DCA est lourde. Affirmatif. J'attaque le box bombardier le plus à l'est. Ouais, le plus à l'est, c'est ça. Des fourrailles. Bombe larguée. Et je remonte en droite. Touché. On va exploser. Un bombardier a détruit. Victor, parfait. Ok, à toi de jouer. Oula, négatif, j'ai un glade au cul, Je vois plus. Ok, il me sert. Descends de radada sur les pistes, faut que tu me reprennes. Fais ta phase pour le moment, L'arc des bombes, je vais essayer de me débrouiller. Je suis pris aussi par un glade, hein. Ok, tu piques, Je fais une passe. Tente ta passe, s'il est pas trop près, tente ta passe. Je tente une passe. Je commence à semer le mien. Vas-y, tente ta passe, je vais essayer de te couvrir. Je passe dans le sens inverse de vous, hein. Victor. Bombe larguée. Victor, je pense que j'ai visu. Tu remontes en droite, tu confirmes? Oui, sur un gladiator. Victor, j'en ai un juste au-dessus de moi. Ok, attention. T'en as un super proche, ok, ouais. Vas-y, t'es clear pour le moment. Et fais gaffe, tu passes en dessous. Oui, dégage à gauche. On va remonter. Essaye de remonter sur moi, je suis à tes 6 heures là, 6 heures haut. Ok. Visu. Il y a 3 gladiators plus bas que vous, c'est ça?
Victor, oui, c'est fort probable. Ils sont 4, c'est les 4 de tout à l'heure, je pense. Victor. Ok, j'ai visu sur vous, là, d'ici à vous tire dessus. Et je vais virer à droite, essayer de vous couper. Aïe, j'ai pris des coups. J'ai ma mitrailleuse. Mitrailleuse enrayée. Ok, c'est pas grave, c'est certainement. Aïe, je suis obligé de replonger. C'est les glades qui t'engagent encore? Je sais pas, mais ça fait mal. Ok, vas-y, plonge, je vais essayer de te récupérer. Ok, t'es engagé par les glades, dégage, dégage. Manœuvre de dégagement. Manœuvre, manœuvre, manœuvre. Mais c'est pas facile. Je vais essayer de les dégager. Replonge. Il m'engage toujours. Deux gladiateurs. Ok, attention, Hurricane, Hurricane. Repart direction ouest, on dégage, là on peut pas faire face. Je suis toujours pris moi, j'ai du mal à les lâcher. Mais plein pot. Je suis plein pot. J'essaie de dégager. Tout ce qu'on peut faire. Direction plein est pour rentrer à la maison. J'ai une multitude d'appareils derrière moi, il y a probablement toi dans le tas. J'ai un appareil à mes midi, je pense que c'est toi. Ok, remonte. On se dégage juste de cette situation. T'as pas l'air trop touché, y a pas de fumée en tout cas. Ah oh bah punaise. Essaye de me suivre. On va les attirer en hauteur. Sans qu'il y ait déjà les glades, on va les scotcher au sol. On verra ce qu'on peut faire contre les Uriks. Ils se défendent, hein. Adieu. Y'en a un qui vient toujours dans mes 6 là. Affirme, affirme, tu mets plein pot, tu montes. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien toi que je vois. Confirme, tu suis un appareil en droite montée. C'est ça. J'accentue la montée. J'ai de moins en moins de puissance, hein. Je pense qu'ils vont quand même toucher quelque chose. Victor. Je suis à 300 km/h. Ouais, c'est logique, hein. On est en E1, donc... Attention, DCA, DCA. Affirmatif, t'inquiète pas. Du tout petit calibre de toute façon, et on est relativement haut maintenant. On va vite. C'est de gratter un peu mon virage pour pouvoir me remonter. Et donc je puisse avoir un visu clair sur toi. Il passe juste en dessous de moi là. Je sais pas si c'est vous qui vise ou si c'est moi en fait. Je te cacherai pas que là peu importe. Bon, c'est qu'on dégage. Il vient dans mes 6, il approche là. Alors continue sur la direction. J'accentue le virage. Garde ta direction. Mais il vole pas dans mes 6, il vole en décalé. Ouais, Victor, continue sur ta direction, toi. J'ai l'impression qu'il vous prend. Parfait. Bien, c'est pas grave. Hop. Ok, garde ta direction, réduit un peu la personne aux fesses. Ok, je me mets à 1.2. 1.2, fais souffler ton moteur, amorce un virage à droite, je me mets à T6, là. Tu amorces un virage à droite, moi je continue dans la direction et tu essaies de me passer derrière, voir si tu peux faire quelque chose. Il prend
prends aucun risque. Si t'en as un qui est isolé dans le sens qui est derrière moi, mais qui a pas trop de monde vers lui, tu tentes, sinon tu me signales juste et tu reviens en formation. Je suis pas sûr que c'est vous là. Mais si c'est vous, vous êtes leader, vous êtes suivi par deux appareils en bas, dans vos 6 heures bas. Un troisième qui est encore loin. Victor, j'en ai un level à mes 4 heures. Je pense que c'est moi. Non, négatif. Toi, je te vois maintenant, tu passes à mes 4 heures, tu passes au-dessus de lui là. Tu fais ton virage à droite, reviens sur moi. Confirme, t'as bien visu sur moi. J'entame un virage à droite. Je pense que oui, j'ai un visu. Victor, je réduis, tu vas essayer de remonter sur moi. Là, normalement, on les a scotchés les autres. Il y en a un qui pourrait être emmerdant. Pas sûr que ce soit vous en fait. Je suis au-dessus de la rivière là. Une petite rivière juste au-dessus de moi. J'ai 3 appareils sur mes 3. Il y a un 4e. Level avec moi. Maintenant, on est midi. Je me redirige direction ouest. Ok, j'approche. Attention. Okay. Hein. Je pense que c'est. Ouais, c'est un hurricane, je pense. Hein. Vous croisez là, vous croisez, c'est ça? Affirmatif. Vous êtes. Attends. Je ne tente pas. C'est vous okay, qui êtes en. Le gars se lève sur moi. Salut. Salut, Kurt. Il va tenter de monter sur moi, je pense. Surveille ce qu'il fait. C'est vous qui êtes en virage droite? C'est à toi de jouer, ouais, je suis en léger virage droite. D'accord. Ouais, je pense qu'il est sur moi. Essaye de l'accrocher maintenant. Non, c'est moi qui suis dans vos 6 là. Ok, j'ai tort. Alors, on continue de grimper, on en a 2 sur nos 3 heures. 3 sur nos 3 heures. Ok. On a un qui fait des galipettes, je pense que les deux autres c'était. C'est encore les URI. C'est ok, donc on a une quête URI sur nous en fait. 3 URI. Ok, j'accentue le virage, là on a une chance. Je vais sur celui de plus en arrière. Hop, on passe. Non, c'est des glades. 2 glades. On fait quoi? Je reste? T'en as un aux fesses, t'en as un aux fesses. Ok. Tu montes. Il est en manœuvre, il est en manœuvre. Non, mais il est en manœuvre, c'est bon. Je reste derrière vous. Il sera trop lent. Parfait. On continue. On monte, c'est lui le plus dangereux. Il a tenté une ressource sur toi, c'était un petit peu suicidaire. Vous êtes sur le serveur? Négatif. Pas sur le serveur, on est ensemble sur une mission coop quoi. Ok. Et j'en ai un mais 9h qui a l'air d'être très tentant. Ok, on est. Je pense qu'il y a personne dans nos 6. Ils sont dans nos 9 là, ouais. Ouais, pas grand monde effectivement dans nos 6. Attention, je crois qu'il y en a un qui va croiser avec moi, je suis pas sûr. Victor, renversement. Ok, il nous monte dessus. On serre un peu. Ok, il est plutôt chaud. Hop, et on monte. On est à droite. Un gaz, jour. Il y en a 2 appareils à nous dehors maintenant. C'est vous qui êtes en virage gauche? Non, en virage droite. Oula, je pense que j'ai un Uri. Gauche, c'est un Uri, donc t'es derrière un Uri. Fais attention, on croise là, je passe en dessous de toi. Ok, je reste derrière l'Uri ou je vous rejoins? Il fait des manœuvres chaudes, tu dégages et tu me rejoins. Si tu vois que tu peux attaquer, non là tu pourras pas attaquer. Il fume. On vira à droite. Il fume, je peux même le tenter. Offensif pour 2. Victor, fais attention, la fumée c'est probablement. Il est déjà négatif. Touché. Ok. On je dégage à droite. Il revient sur moi. C'est vous à droite là.
visu. Je pense que oui, en montée. Victor, c'est bien moi. En montée assez violente, ressource gauche. Attends, peut-être l'accrocher celui-là. Il a l'air de vouloir revenir en plus. Il est bien cet enfant. Affirmatif, il tente de s'accrocher à nous. On va le laisser venir. Allez mon petit, viens. Il y en a un, j'en croise un. Qui passe en dessous de moi là. Ah Victor, ils sont en dessous de nous. On attend, il tire sur le manche, il essaie de nous suivre. Évidemment, il va échouer. Et je renverse. J'arrive bien sur lui. Offensif. Et je remonte. Il plonge, je ne le suis pas. Reçu, je reviens sur vous. Ah, attendez, j'ai l'impression qu'il remonte. Il remonte à droite. Victor, laisse le faire. Je pense que... Il essaie de m'accrocher. Virage droite, j'aimerais avoir vu sur toi. Vous passez à ma droite, là. Oui, mais c'est bien que tu reviennes sur moi, en fait. Ouais, il vient dans... il vient sur vous, il vient sur vous, il me lâche et il vient sur vous. Ok, bah s'il vient sur moi, accroche-le. D'accord, reçu. Confirme, c'est pas toi derrière moi là. Non. Victor. Moi je suis derrière mais loin. J'arrive. Okay. J'ai le. Les fais rapidement parce qu'il y a deux autres qui sont en train d'arriver. Ok, j'arrive dessus, ça devrait pas tarder. J'entame la montée. Je vais passer offensif pour deux, j'ai une occasion là. Vas-y, vas-y, vas-y. Saisis, saisis. Ok, il est fumant noir. Bien joué. Oh, bien sûr, moi, parfait. Ok, me perds pas en visu, je vais offensif sur deux ennemis qui t'ont accroché. Je reste derrière vous ou je continue? Tu continues. Continue le virage à droite. Et tu... Reçu. J'espère qu'ils vont être assez bidons pour te suivre. J'ai l'impression qu'il y en a un qui vient sur vous. Ah, il y en a au moins un qui est sur toi. L'autre, je sais pas ce qu'il fait, il plonge. Ok, il est offensif. Wow! Wow, l'abruti! Putain! Leader? Il a explosé et il m'en a mis. Enfin, il est remonté sur moi, cette espèce de con, et du coup j'ai perdu des bouts. Votre situation? Je devrais m'éjecter probablement. D'accord, il me faut un cap. RTB est, RTB à l'est, tu vas plein est. D'accord. Et tu sur la première base que tu vois à l'est. D'accord, reçu. Tu vas avoir une base en terre sombre, tu cherches pas à atterrir là, c'est pas la nôtre. Reçu, bon courage. Victor. Ok, tour de contrôle, ici l'escadrille qui était partie en mission, donc notre leader est parti au tapis. Je rentre seul à la base. Ok, c'est bien pris. Actuellement vous avez des alliés qui sont en train d'atterrir, je pense que vous êtes encore assez loin. Dirigez-vous vers nous et puis recontactez-nous quand vous êtes en vue de la piste, terminé. Reçu.
Contrôle VR7 pour Anton 2. Oui, je vous écoute. On aurait besoin de la position de crash de votre leader. Il s'est écrasé aux alentours entre Bruxelles et la ville de Louvain. Bien pris, bien pris. Vous êtes toujours en direction de la base ? Oui, je passe un fleuve actuellement. Je pense que je suis plus très loin. Victor, on vous attend. Bonjour à tous, Dolfo. Salut Dolfo.